Bonjour à tous et bienvenue chez Malo Cuisine. J'espère que vous allez bien et que vous passez tous un très bon après-midi avec un beau petit rayon de soleil. Alors aujourd'hui, petite information, nous n'avons plus en vente, regardez, les fameuses barres de céréales à notre grand désespoir, banane chocolat et framboise pomme. Quand on vous dit que c'est une édition limitée, que nos produits sont vendus dans le monde entier, et bien vous avez vu en 15 jours tout le stock de France, puisque c'est 100% français, est parti. Donc et bien je suis désolée pour ceux qui voulaient commander, il est trop tard. Et c'est bien dommage parce que c'était vraiment, c'était vraiment des barres vraiment très très bonnes. Et ben écoutez, hein, si Bautissane est mentant, et ben ce serait bien de les refaire et que ce ne soit plus une saveur limitée, mais une saveur constante. Voilà. Bref, hein, c'était mon petit message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire une salade de thon, tomate, concombre, maïs, pâte avec de la mayonnaise. Maison, évidemment. Donc pour ça, vous commencez, donc il vous faut 3 tomates à peu près, un concombre, une boîte de thon que vous émiettez, 500 g de pâtes de différentes couleurs, du maïs pour faire la mayonnaise, 2 cuillères à soupe de jus de citron, du poivre, des petites herbes, une demi-cuillère à soupe de moutarde et 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Donc pour commencer, vous lavez et vous coupez, enfin vous épluchez votre concombre et vous le coupez en petits dés. Pareil pour les tomates, vous les lavez, hop, vous les coupez en petits dés. Ensuite, vous allez égoutter votre thon et vous allez l'émietter. Donc hop, et vous le mettez. Vous le versez dans votre saladier. Tout simplement. Ensuite, après avoir égoutté votre maïs, c'est pareil. Vous l'ajoutez dans votre saladier. Alors, je rappelle que nous sommes nombreux à la maison puisque nous sommes 6 personnes. Donc, voilà. Dans votre saladier, maintenant, vous allez rajouter vos pâtes. Alors mon saladier, évidemment, va être trop petit, je pense. Il va falloir que je mette ça dans 2 saladiers. Bon, c'est juste pour vous montrer pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Des pâtes égouttées. Donc, c'est pas compliqué. Vous faites cuire des pâtes dans de l'eau avec du gros sel. Un petit peu de gros sel. Vous les faites cuire le temps indiqué sur le pâté, sur le paquet. Pardon. Voilà. Vous les laissez refroidir. Vous les égouttez. Là, on va faire une vinaigrette, une mayonnaise, pardon. La mayonnaise, donc on y va. 2 cuillères à soupe de jus de citron que vous mettez dans un bol avec une demi-cuillère à soupe de moutarde, du poivre, des petites herbes. Hop, on va prendre 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Tout simplement, et on va rajouter, j'ai oublié d'en parler évidemment, une cuillère à soupe, enfin une cuillère mesure d'omelette pour apporter les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il faut en lipides, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Et là, vous mélangez. Dans votre bol, vous mélangez votre mayonnaise. Vous avez vu, pas d'huile dans cette mayonnaise, donc c'est vraiment une mayonnaise allégée, ce qui vous permet de vous faire plaisir en mangeant. Voilà une nouvelle idée de recette de pâte. Voilà, c'est rapide, c'est bon, c'est sain et on ne prend pas de poids, donc c'est génial. Et ensuite, votre mayonnaise, quand elle est bien mélangée, hop, vous la rajoutez. Dans votre saladier, voilà,
Et vous mélangez tout simplement cette petite salade en composé de pâtes, de thon, de maïs, de tomates, de concombres. Voilà, alors après, à vous de faire aussi avec d'autres saveurs. Si vous voulez racheter du poivron, c'est tout à fait possible. Voilà, vous mélangez bien. Et voilà, une salade rapide, saine et bonne. Donc, c'est le principal. N'oubliez pas qu'il faut manger, voilà, et en se faisant plaisir. Voilà, c'est important de manger, on se fait plaisir. Et en même temps, on prend soin de notre ligne et surtout de notre santé. Voilà, pas de cholestérol avec cette mayonnaise. Voilà les amis, hop, voilà, regardez cette petite salade complète, les féculents, les fibres, les lipides, les protéines, tout y est, tout ce qu'on a besoin pour une bonne, pour un repas équilibré et en bonne santé. Voilà les loulous, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un très bon après-midi et je vous donne rendez-vous demain, peut-être début d'après-midi, pour une nouvelle recette, encore une recette salée cette fois, d'accord? Plein de bisous à vous tous et à demain, bye bye!